Allez, encore quelques mètres. J'espère que mes parents sont là. Ah, fatigué. Tiens, c'est quoi ça? Ah, sa voiture est là, tiens. Excellent. Allez, ouvre. Ah. Putain, il dort encore ou quoi? Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être qu'ils dorment. Ah non. Non, ils sont même pas à la maison, j'ai l'impression. Ah, peut-être dans la cuisine? Personne. Et personne non plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, c'est ouvert ça. Excellent. Non, ils sont pas dans la douche quand même. Non, sinon je les aurais entendus. Dans le sauna? Pas non plus. Ouais, c'est problématique ça. Je sais même pas où ils sont là. Y'a quelqu'un? Vide. Comme à mon départ. Par contre, y'a de la bière ça. Excellent. Alors on va essayer d'un peu ranger ça ici. Voilà, c'est rangé. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah rien, ok. Ok, bon ben... Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, c'est quoi ça? Cher Jack, si tu lis cette lettre, c'est que nous sommes partis de la maison, car ta mère ne veut plus vivre ici avec toi. Nous avons réglé les papiers pour que tu sois le propriétaire de la maison. C'est à toi de reconstruire une vie et de revivre indépendamment. Nous avons également dû vendre le pick-up rouge, car nous avions besoin d'argent pour les bêtises que tu as faites. Fort heureusement, pour toi, je t'ai laissé ma caisse. Ah bon? Ah, j'ai pris la liberté de peindre ta voiture et j'ai presque terminé celle-ci, c'est maintenant à toi de la terminer. Grâce à Dieu, ton cousin s'est remis de ses blessures, qu'il a eu un accident de voiture un peu avant ton séjour en prison. Appelle-le si tu as besoin de lui. Ta grand-mère se demande pourquoi tu ne lui rends plus visite, car elle ignore que tu étais en tôle. Rends-lui visite à l'occasion, mais ne lui parle pas de la prison. Ouais. Je t'ai laissé 3000 marques pour que tu saches aller faire quelques courses et que tu refasses une nouvelle vie. Tu nous as déçus, mais aussi ton oncle. C'est pour ça qu'il te propose de reprendre ses affaires quand tu seras prêt. Ne déconne pas. Y'a plus rien? Même pas de message d'au revoir, d'adieu? C'est ça, Ok, bon ben... Ok, me voilà seul. C'est excellent ça.